Listen up. I got good news, bad news, and the biggest news of human history. This gentleman is a first contact scenario. Intelligent life, Private. And I don't mean the sort you find every time you cross the state line. Contrary to whatever you might have heard, there's no playbook for this sort of situation. And to make matters worse, to the world, we've just gone dark. Les Marsouins, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Arma 3 Contact. Hey Riders. Salut, Baker. Non, pourquoi? You're almost famous. Je deviens célèbre. Ouais, je sais, je fais des lives sur Twitch. D'ailleurs, on est en live là pour ceux qui sont sur YouTube. On est en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Hein. On en fera d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Je suis connu alors, c'est ça? Exercice désastreux en Livonie, l'enquête piétine. Ah ouais, d'accord. Une commission d'enquête américaine juge très improbable que des agitateurs russes soient à l'origine de l'accident du 19 juin en Livonie. Un drone aérien Greyhawk a manqué sa cible et largué une bombe guidée au GPS sur un site militaire tuant 7 Livoniens et un Américain. C'est comme si j'avais fait un TK en fait, parce que c'est moi qui lui ai donné la... Soit c'est le drone qui a merdé, soit c'est moi qui ai donné les mauvaises indications. Les soupçons d'erreur humaine et le démenti catégorique de la Maison Blanche ont provoqué des tensions dans les relations américano-livoniennes, ainsi que l'annulation pure et simple des exercices. Le chaos logistique qui s'en est suivi a laissé 11 000 troupes américaines au sol. Ah ouais. En fait, je suis un peu dans la merde, parce qu'en gros, l'erreur pourrait venir de moi, quoi. On ne connaît toujours pas la cause du dysfonctionnement du drone, et rien ne porte à croire qu'il s'agisse d'une faille de sécurité. Un MQ Greyhawk américain développé par Macrotech Corporation. D'après la société de technologie, le drone n'est pas l'origine de l'accident. Ah. En fait, je suis célèbre, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. Si je comprends bien. Que s'est-il passé? Mark Harris, PDG de Macrotech Corporation, entreprise qui a conçu les MQ-4A Greyhawk, exclut un dysfonctionnement technique. Nous avons coopéré étroitement avec les personnes chargées de l'enquête sur cet accident tragique et nous n'avons aucune raison de croire qu'il y a eu un dysfonctionnement de système. Les logs de mission correspondent parfaitement aux données de la cible. La pub pour moi quand même. Le capitaine Connery... Pardon. Salut éléphant rose. Capitaine Connery. C'est vrai que j'avais pas fait attention comme ça et qu'il s'appelait comme ça. On l'a croisé lui ou pas? Non, on l'a pas croisé. Porte-parole du Pentagone a lui aussi déclaré que l'appareil lui-même n'était sans doute pas en cause. Il a laissé entendre qu'il aurait pu y avoir une anomalie d'une autre nature. Nous enquêtons sur une autre possibilité, celle d'une distorsion gravitationnelle dans toute la région provoquée par une accumulation d'oxyde de fer plus dense que d'autres dépôts minéraux. Inquisiteur Martyr, bienvenue à toi, merci pour le follow. C'est pas dans le texte, hein, c'est juste je remercie quelqu'un qui vient de me follow sur Twitch. La région de Nadbor n'a jamais fait l'objet d'une exploration géologique poussée. Nous allons donc la réaliser à l'aide de gravimètres. Cependant, les autorités livoniennes doivent donner leur accord et je crois que pour l'instant, elles ont tiré leurs propres conclusions en toute logique. Si les algorithmes de chiffrement n'ont pas été compromis et si l'intégralité globale du drone a été établie, l'accident a été provoqué par des facteurs environnementaux ou par une erreur de la part de l'opérateur. Ah, ok. Donc soit c'est de ma faute. Ou alors de la faute aussi du désignateur. Ou alors un problème beaucoup plus technique et scientifique. Salut Cédric. Donc, bah en fait, tous les entraînements ont été annulés. On est 11 000 soldats américains qui se retrouvent donc en Livonie. Je pense qu'on va devoir rentrer au pays. Hein. Je vois pas d'autre solution. Enfin, pas tant que l'enquête sera terminée, je pense. Les Russes, ils vont être encore contents, là. Ah, salut, commandant. Je vais aller le voir, je pense qu'il va me parler. Ouais. Ah ouais, vous avez dit qu'il fallait rentrer. Ouais, 48 heures, ouais.
or the fact that the NMCCs are all choked. No. Oh. Du calme, commandant, du calme, vous devez garder votre sang-froid. Cancel the exercises by all means. But this, this is suicide by logistics. I swear if the Russians invade, it couldn't be too fucking soon. Listen. Énervé, commandant Homewood. Even the colonels out there hitting corners. I need everyone to do the same. Not a problem, sir. He didn't let me finish. I need everyone, including that slack-ass corporal. Corporal Stipe. I love that I don't have to explain myself to you, specialist. But then I guess that's what makes you so special. He's on task, carting our literal shit over to the burn pit. And sorry to say, I want you to tag along. Stop him from getting on the business end of an MP's nightstick. Roger that. Things are tense enough as it is. The Livonian Defense Force have the accident area locked down. You know why? I just got the word. Highly toxic vapors. In addition to structural instability, that factory is sitting on a landfill of chemical crap. Methyl isocyanate. Apparently it's really fucky stuff. Yeah. LDF began evacuating. Il y a que des mauvaises nouvelles, quoi. And the radius of effects only getting bigger. So, PPE will be mandatory from 0-100 hours. Oh, sir. NORAD's on the line here. Patch it through the LC's office, would you, Keats? In the meantime, you're hauling ass. There's a loaded Hammett over by the main gate. Ok, commandant. Bon, on est dans la merde. 48 heures pour évacuer. En plus, il y a des trucs chimiques là qui... En fait, les fondations là où il y avait le terrain, le camp d'entraînement, il y avait des trucs chimiques. Donc du coup, faut évacuer la zone rapidement. Il loue mon camion. Tiens, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Deuxième épisode... Enfin, deuxième épisode, ouais. Inquisitor. Salut, Flèbre. Évacuating Nodbor ? You heard that, right? Total chaos. And what about the crane at the old factory? If they were tearing it down, fine, I get it. But there's lights and trucks and all sorts of shit going on. The entire area is completely sealed off. Doesn't add up. Mm-hmm. Donc ils bouclent pas la zone, il y a des... en train de faire des recherches, on dirait, là. Il a dit qu'il y avait des grues, plein de lumière, plein de choses comme ça. Il m'a dit qu'il y avait un camion, bon. Regardez ça quand même, je suis pas du bon côté du tout. Il faut que j'accompagne... je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, ils ont pas l'air de l'apprécier, celui qui accompagne. Being trading partners is one thing, but full-on membership? That's quite a commitment. And it's not working out so well for Belarus now, is it? C'est tout, vous arrêtez votre conversation ici? Merde, je peux pas le prendre. Ouais, Spike, c'est ça. Ah, il est là, ça doit être lui. Là. Hey, Major. Ah non, c'est toi. What? Are you his steward now? Okay, fine. I gotta ask a little favor first. The fuck you will, Jack. Last one I did for you got me NJP'd. Yeah. Could you just swing by the armory, pick up my M-spec device? I'd go myself, but you know, reasons. I thought we were on a garbage run. Sure, but there's something I gotta do en route. Ouais. T'es sûr tu veux que j'y aille, Jack? Je sens qu'il va faire une connerie. T'as un loup sa tente là. Là-dedans. C'est quoi c'est? Corporal Stipe wants his doohickey. C'est quoi la cage de Faraday? C'est ça la cage de Faraday? Nice improv in here. You still expecting World War 3? Always, man. Doomsday clock. It's 1:02. Merci Baker. Eh mec, au lieu de vous toucher les, hein, rangez là. je rigole, je suis juste opérateur drone. Jack ? Il est dans le camion lui ? C'est moi qui pilote quoi ! Bien sûr ! Petite sauvegarde. Ah, I'm driving then. I'd say that's a reasonable assumption.
You gonna give me directions or just be a prick all night? Directions? Oh, you really have been living the high life, haven't you, Rudd? Doesn't know how to get to the good old Black Goopsville. No. Follow the road, princess. You mean the smell? Ah, there we go. That's the spirit. Dites-moi, c'est pas le Jack qui était sur le toit. Non, c'est pas lui, hein. On est d'accord, hein. C'est un autre. So, what's this thing you gotta do? About that. Bienvenue à toi, Cashman. Merci pour le follow. Oh là, doucement, doucement, doucement. On a un camion, là. On a pas une voiture. C'est le même? Bah, il était plus sympa là-haut, hein, je trouve. Hein. Quoi? Oula, c'est quoi ça? Oh, it's not through the roadblock. C'est des Livoniens. Ah, ils ont des masques à gaz et tout, quoi. Les miens, il y a trois mecs avec masque à gaz, les autres ils en ont pas, quoi. Et nous on y va. On va directement là où c'est chimique, quoi. Super. Allez, 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 ça grimpe, ça grimpe. Okay, top of the hill. Pull over at the lay-by. You want to tell me what we're doing? Hasn't anything struck you as kind of strange lately? Yeah. Life is strange. What's your point? My point? You hear that shit about a chemical leak? Yeah. You hear we got 48 hours to get our asses stateside? Yeah. Cause I'm hearing everything. Cause it's all out there, tingling on the airwaves, Rudd. You don't believe me? Try the spectrum device. You see the transmitter tower? Focus the triangular antenna at it. And, switch to detail mode. On your screen, you got wavy lines. Waves, Jack. Yeah. Our electromagnetic sea. Now, in with those, there's a peak. That indicates activity. There's also a vertical bar. Slide that over to the signal while you're aiming at the source. Ah, attends, y'a un truc que j'ai pas saisi. Ah oui, d'accord. C'est avec la molette que je change la fréquence, d'accord. Bien sûr, y'a de la musique. Music. Huh. It's modulating the signal. Énorme, too. That's not all. The LDF, they're using pretty basic encryption. Scramblers? Yeah, poor bastards. Hard as nails, dumb as planks. You cracked the comsec. In a way. I swiped a couple grams of modafinil from the medic supplies at Point Hopi and exchanged it with a militia nut for the price of a genuine Bluebell radio and its crypto key. Oh, Christ. Okay, so, go ahead. There ought to be some chatter, bouncing between whatever's going on at the factory and the burn pit, a short ways up the road. Oh, and yeah, don't forget to adjust the vertical frequency band. Otherwise, all you'll get is static. Ah, c'est écrit en bas à gauche, vous voyez. Sierżancie, pamiętaj, za twoim punktem kontrolnym obowiązuje użycie ostrej amunicji. Nie pozwól nikomu się oddalać bez odbioru. You used to be a translator, right? Ouais. Get any of that? Ouais, je comprends. Très bien même. Ils veulent que personne n'aille là-bas, quoi. About an industrial disaster, are they? You think this is a cover-up? I asked around about the factory. There was never any landfill there. The Soviets built it on top of an old sawmill. And as for that thing we saw in the sinkhole, I got nothing. You hear that? Sounds like a helo, moving target. Try and catch him as he comes over. Do spalarni jest ciężarówka. Kto się zatrzymał? Mogli
złapać gumę. Mamy tam podlecieć i zmusić ich do odjazdu? Odbiór. Merde, faut qu'on se barre. Ils ont repéré le camion. Masz do przetransportowania ważny ładunek. Stanie, jestem na wektorze podejściowym, bez odbioru. Oh putain. Il vient de... Faut se barrer, Jack. I guess you're going somewhere with this. I need a wingman. No. No, what you need's a fall guy. You are the fall guy, Rudd. The blue on blue. The loss of face. The protests. The politics. If the DOD can't pin it all on Russia, who you think they're gonna come to next? The LT? Or the pissed off linguist? Last seen, on that day, on a roof, with a fucking drone jammer. Yeah, I was with you, jackass. Or did you forget? Nah, I didn't forget. Drive us to the burn pit. And don't sweat it, I got a plan. En gros, ils veulent nous faire porter le chapeau, quoi. On est d'accord, Jack. Moi, je suis avec toi. On verra si Rod, il est avec toi. Tu veux qu'on... On aille là-bas, là ? Zone de brûlage. Ah, c'est ça, il veut qu'on y aille. Bon, on y va à pied ? J'y vais tout seul, quoi, c'est ça ? D'accord, je te ramène les infos. Super. On y va. Pas des jumelles par hasard. Ah si, merci. On est assez loin quand même. Ah, faut que j'aille en camion. Oh, mais on va se faire spotter en camion. Pas d'accord. Je vais voir si je monte dans le camion, si Jack vient avec moi. Moi j'y vais à Yep. Hein. Ah bah merci, hein, s'il faut prendre le camion. Perso j'y serai à la pied. Hein. M'en fous, ça me fait pas peur la marche, vous me connaissez. Mais bon, j'y serai allé tout seul. Bon. Merci. Hein, on va éviter de se faire repérer. Les phares. Jack, je t'ai pas dit, parce que bon, t'as pas entendu, mais en fait, l'hélicoptère a repéré qu'il y avait un camion, ils pensent que c'est une crevaison, ils vont sûrement foutre un autre barrage. Il se trouve sûrement, bah, là-bas. Voilà, c'était juste pour te prévenir, Jack. C'est vrai que vous, il y avait une fumée. Ah ouais, une fumée. Fait lui. On a le droit d'aller ici là? Now what? Put us over by them containers. Oh, Jesus, that stench. Bet you can feel it coating up your lungs already, huh? Well, you got a choice. It's either step out of the cab, pas fou, ouais, shovel shit, or I run you through the plan, which I may add does not involve sucking in the sweet stuff. Okay. You in? Depends. You gonna get me killed? Not if you don't do anything stupid, I won't. Look, we're right next to the LDF's restricted zone. I'll distract the guards while you get near the factory. I made a load of notes on your map. Infill, exfill, plus a vantage point. Did you jimmy my footlocker to do that? Yeah. Fuck you very much. Yo, you're welcome. Soon as we hop out, beeline for the corner wall. There's a break which leads down into a gully. What's a gully? Six languages, and you don't know what a gully is. I'm disappointed. All right, so come on, let's do this. Hey, free bet. Cześć, kurwa. To ten amerykański trep. A co za moszczykę majnowskiemu? Sorry, I don't speak polski. I need you to help here. Nie rozumiem cię, Jan Kesie. Yeah, no, I can't speak any polski. A proty? I need you to help me put boxes on fire. I'll wait. Idź po sierżanta. Oh mort. On va suivre son plan. On va suivre son plan.
Ah, j'arrive pas à me situer. C'est là le camp. Ok. Je sais pas où on met les pieds, Jack. Mais sache que on en court très 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 gros. Surtout si je me fais choper, moi. Par les Russes. Par les Polonais. Ça va être compliqué. I'm not a sleeper agent. No, I know. Just don't shoot anyone. The Bluebells may be dicks, but they're fighting for the good guys. The world really is up black and white for you. What? Never mind. Careful as you go down. If you got it on, watch out for the flashlight on your spectrum device. I'm gonna shake things up a little. Okay, Jack. Ah, j'aurais bien voulu capter une autre conversation dans l'hélico. Je crois qu'il y a des patrouilles là en forêt là. Ah. Je crois qu'il y a des patrouilles en forêt, ouais. Non, c'est quoi ça? Il m'a dit de tuer personne. On va essayer de tuer personne. C'est quoi la croix que j'ai là? C'est... Il faut que j'aille la zone... C'est la zone de brûlage. Là, on va au point d'observation. Oh putain. Il y a du monde. Là, il y a un véhicule. Jack, putain. Stipe, come in. Jack, talk to me. I'm hearing shots fired. Come in. Qu'est-ce que... Mais c'est un ouf ce mec, je te jure c'est un ouf, mais c'est un ouf. Son of a bitch. C'est un ouf ce mec, je te jure c'est un ouf. Et puis il lâche pas le morceau. Hein. Alors attends, faut éviter le barrage qui était un peu contrebas là. Passer par là, d'accord, ok. Point d'observation. Mettre un petit coup de jumelle quand même. Il y a des ouvriers. Ah, il y a un dôme là. Les dômes blancs là. Ils sont en train de le construire.
deux secondes. Hop. Pas de spoil, s'il te plaît. Pas de spoil, s'il te plaît, Inquisitor. On va essayer de faire les choses bien, comme il faut. C'est quoi ça? Ok, c'est un arbre. Obligé vraiment de retraverser la route, là, pour aller au point d'observation, là. Je pense que j'en ai un pas mal, ici, non? Ok. Pas du monde sur la route en bas là. Là, c'était le barrage. On va descendre un petit peu. Je dois retraverser cette route pour atteindre le point haut là. Okay. Pas très loin, Jack, je suis pas très loin. Il y a un peu de musique, c'est ça? Oh, c'est bien gardé à l'entrée. Putain. On a une meilleure vue d'ici. Jack, you ain't gonna believe this. You were right. It's a black site. The LDF are building a dome over the sinkhole. I fucking knew it. I've seen a place like this before. Okay, this is what you're gonna do. The Spectrum device, it auto-records by default. Get any intel you can. We're gonna blow this whole thing open. Okay, Jack, à faire ça. Une conversation. Don't take it personally, lad. Take protocol. They took mine too. Phones or phone calls, in or out. You want to talk? Use the radio. Stay in this channel. Switching frequencies, hell. Don't take too kindly to that. Right. So, main site. I guess you already know about. Second, we only just discovered. On the hill, over near the helipad. Bring you up to speed. Update. The locals read you in. This shit's getting stranger by the second. There's a Scottish guy here, and he mentioned there's a second site. On the hill, where Point Dakota was. I'm not far off. It's quiet. One truck, not many lights. I reckon half a click from the RV. Just check that fancy map of yours. You're saying you want me to go, scope it out? Sure, why not? Because it's crazy. I'll never get through the factory. So don't go around or cut through. I don't care. But you gotta get a look in at that other location. Ok. Lui aussi il a un masque à gaz. Ouais, ils ont tous des masques à gaz là. Ok, à faire que j'aille de l'autre côté. Et un deuxième. Une deuxième position. Allez vérifier, c'est où? Là.
pense que le plus simple c'est de passer par l'ouest. À l'est là, je sais pas si cette zone elle est protégée. En même temps, si on arrive sur les hauteurs ici, c'est là combien là? Ouais non, c'est un point haut donc. Et là, est-ce que tu crois que je pourrais monter là? C'est quoi ça? Est-ce que là je peux contourner et passer par là? On va faire ça. On va repartir à l'ouest. Mais là, de passer par là... Ah tu vois, il y a du monde là dans les bâtiments. Là. Et c'est ça là, ces bâtiments-là. Là. Attends, si je dis pas de conneries, c'est ça. Ouais, c'est ça. On va passer à l'ouest. Et je crois qu'ils en ont avec un des masques à gaz, non? Attends. Les ouvriers. Oh, les voit que de dos. Ici, tu vois, il y en a un, lui. Regarde. Bon, allez, c'est parti. Juste, il y a quoi en bas? Allez, faut pas qu'elle me repère. On va faire un petit détour. Les copains, on va marcher. Hein. On va pas prendre de risques. J'espère juste pas croiser une patrouille. En forêt, ça m'étonnerait qu'il y ait une patrouille. Enfin, on sait jamais, mais bon. Ouais, faudrait repasser par là. Passer tranquillement ici après. Tac. On me met des petits points juste pour me repérer, mais... Et après, passer vraiment à l'extrémité ici, là, pour arriver par là. Ouais, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. J'avoue que j'aurais bien été voir à l'intérieur si je pouvais récupérer des informations, mais c'est beaucoup trop risqué. Disons que IRL dans la, enfin, dans la vraie vie, là, je le tenterai pas, quoi, de le fait de rentrer. T'as les Russes, t'es en tension avec eux, ou les Polonais, là. Non, non, on va rester tranquille. Il a dit qu'il fallait que je tue personne. Et déjà qu'on est mal vu là, fallait qu'on, faut qu'on se barre rapidement. Si en plus on se fait repérer en train de fouiner, ça va pas le faire. Bon, allez, on va accélérer un petit peu. On augmente la cadence. Ce petit côté infiltration là, j'aime bien. Personne sur la route. Bon, on peut y aller. Chut, les oiseaux, chut. Mon ombre. Imagine, tu te fais repérer à cause de la lune, quoi, qui est juste derrière. J'ai pas vu qu'il y avait la boussole sur le spectre. Attends, c'est quoi ça? Non? Ok, c'est moi. Mon imagination. Le Charman, ça te rappelle les drops de nuit reconstites. Ça me rappelle les longues heures de marche sur Arma pour contourner une position ennemie. Bon, je triche un peu, j'ai mis ma... J'ai mis mon... C'est le seul truc que j'ai mis d'ailleurs, hein, que j'ai rajouté. J'ai mis ma position sur la map. Parce qu'étant donné que je le faisais en live, je me suis dit... si je passe 3 heures à me repérer, ça va pas le faire. C'est pas que je suis mauvais en topo, mais je suis pas super bon, quoi. J'ai plus tendance à soigner les copains qu'à regarder la carte, en fait. Mais là, je suis opérateur drone, donc
Au niveau de la topo, je devrais être bien. Alors attends. Non, c'est les jumelles que je voulais, pardon. Il y avait un mec au balcon tout à l'heure dans un de ces bâtiments là. J'ai l'impression que j'ai un vieux casque sur la tête là. L'ombre elle est dégueulasse. Oh putain non. On tournait. Par contre c'est quoi ce truc là? C'est une centrale? On va l'esquiver. Hop, plein nord. On se fond dans la forêt. Comment je vais faire pour revenir après sans ma position, je sais pas. Yep. C'est vrai qu'on découvre en même temps la nouvelle map. Hein. Nouvelle map Livonie. Qui est quand même assez grande, hein, faut le dire. J'ai pas mis qu'il m'avait mis des... Il y avait pas ça tout à l'heure là, le cheminement là, les petits points ici. Heureusement que j'ai pas respecté son truc. Hein. Putain, il y a une fumée là-bas. Ah non, c'est une route. On dirait vraiment une fumée. Mais là, elle commence à monter. Les arbres, ils sont cramés. Hein. Tout est vert autour et eux là... En mauvais état. Donc alors attends, on va commencer à piquer à l'est. Et j'ai vu quoi là? Ok. Donc c'est bien ce que je pensais. Et la zone, c'est cette délimitation là, je peux pas y aller. C'est quoi qui bloque en fait? Bah, je sais pas pourquoi je peux pas passer. J'sais pas s'il y a des mines de l'autre côté ou autre, mais enfin peut-être que je peux y aller, hein. Mais bon, on va pas prendre le risque. C'est peut-être juste la. Ça serait le câble ça, non? Bienvenue à toi, Cashman. Bon, en tout cas, on va le contourner, c'est pas grave. L'objectif, c'est d'aller ici. À l'est. Alors pour l'instant ça se passe plutôt bien. L'insertion. L'infiltration plutôt. Par contre j'ai plus de nouvelles de Jack. On est un peu proche de ce bâtiment là. On va s'écarter un peu. Un mec sur le balcon là. Ouais, attends, vite. Personne dans ces hangars là. Allez, on y va. Sortir le spectre. Il dit quoi, il y avait un camion. Hey, alarms are going off. Putain, c'est les alarmes. Ouais, sûr. C'est pas moi. Something's got them on edge. Stay on track. If it ain't us, more chaos we can use. Ah ouais, moi je me suis pas fait repérer, Jack, je te le dis. Info sûre. Ah ouais, attends. J'aurais dû faire ça depuis tout à l'heure. De la musique. Ah oui, c'est la bande la station FM. Elle va bien avec le moment, c'est un peu suspense, qu'est-ce qui se passe? Bon allez. Je viens de faire joujou mais J
Jack, you copy? I'm here. What you got? Not a lot. Though I'm close to our zone of interest. Great. Listen, there's gonna be at least a few LDF guys on guard there. You'll need to get creative. The Spectrum device has a signal library. And in that library, there's a signal. A message. From a jumped-up Bluebell colonel. If we're lucky, we can deceive the sentries. Send them off fucking square. Pour envoyer un message. Haven't changed since the exercise. Grey Wolf still in command and everyone else is using the standard NATO alphabet. That squad out there? We just gotta find out who they are. And how do we do that? Should be easy. Bring up the signal library screen. Comment tu fais pour changer d'écran sur le truc? Attends, il y a un message là. Comment je fais pour changer d'écran sur le... Ok, I'm there. Switch to the music you recorded. Ah d'accord, ok. If you send that signal in the direction of the squad on the company frequency, they'll radio HQ and report interference. That means you'll get to hear their call sign. You can then check the library again. See if there's an address to match their ID. If there is, use it. Same as with the music. Once they respond, select that movement order I told you about and relay it to them. Just don't broadcast shit randomly. If they realize they're the subject of electronic deception, they'll go dark. Same with the entire combat net. It all goes down. And we want to keep them talking. Exactly. But keep in mind, to hear both speakers in a conversation, may have to redirect the device, unless they're more or less aligned. You can only detect what you're pointing at. There anything else I need to know? Yeah, and it's important. When impersonating a station, be careful about your background trajectory. You really don't want anyone receiving sent messages. It'll give the game away. Just transmit the music, listen for a response, pose as Grey Wolf, contact them specifically, and issue our fake command. Fine, got it. What if I hit a rut? Then you can figure out how to get your own distraction. Wow. Aller à l'est, QG pour Alpha, QG pour Bravo, QG pour Charlie, QG pour Delta. Escouade. Ça m'a l'air bien tendu tout ça. Je sens que ça va être très compliqué. On va essayer d'abord de repérer où sont les mecs là. Parce que du coup je pense qu'ils sont là mais je les vois pas. Ça va être compliqué. Ils sont là ou pas? Je suis un peu trop proche là. Le truc c'est que il faut que j'envoie un deuxième signal mais je sais pas s'ils sont dans quelle direction ils sont. On va tenter hein. Ils sont là. Mais ça m'embête, je les vois pas en fait. Et comment la zone 350. Y a pas un point haut. Y a pas un point plus haut pour avoir une observation. Faut que j'aille ici après, d'accord. Non, j'ai pas plus haut là, je peux pas les observer. J'ai pas envie de me planter, putain. Je pense qu'ils sont là-dedans là. Non, ils sont là. Hein. En dessous de la tente. Ok, il y a un PC ici. Bon. On va tenter. Déjà, faut que je transmette la musique si je dis pas de conneries. Et après, j'écoute leur réponse et leur indicatif. Comment je fais pour le transmettre? J'appuie, c'est tout, je pense.
Y'a un mec qui fait mimuse avec la musique là. Quoi ce bordel? Ils la reçoivent pas quoi. Putain, ils sont où ces cons? Je reteste ici. Non, ça doit pas être ça. Je crois que je vais aller voir là-haut hein, ce qui se passe. Hein. Je sais pas où sont les mecs. Je pense pas que ça servait à quelque chose de la passer en entière, mais bon. Inconnu scanné il y a une minute. Ah oui, c'est ça, j'ai bien scanné un truc. Ah. Ah. Loup gris, c'est Delta. À vous. Yes! Yes! It's me. Putain, j'ai réussi. Ok. Le truc, c'est comment je sais s'ils sont partis ou pas, moi. Est-ce qu'ils y vont direct, les mecs, ou alors ils ramassent le matos avant et... Ouais, c'est bon, Jack, j'y suis. Sorry, no answers, no questions. C'est quoi ça? Ah, c'est la même chose que en bas là. They dug it up. Looks like they were doing tests on it or some kind of fumigation. Cut a piece of it off and take it with you? You can fuck right off if you think I'm gonna touch it. Okay. Can you lift a laptop or something? Too risky. Once they see stuff missing, they'll be on us. Shit, wait. I got a USB stick on a keychain. Yeah, awesome. Access something. Copy paste desktop folder. Ok, je fais ça vite. Oh, merde. Je peux pas piquer leur carte là. Il est où leur ordi là? There's a helo. I know. Bug out, I ain't kidding. Ils ont coupé les lumières. Qui a coupé les lumières là? Oh là. Oh l'hélico. Ah. Il y a eu un truc IUM là. Il n'y a plus aucun signal électrique. Voilà, la communication radio a fonctionné. Oh putain. Oh. Oh. Surcharge électrique. Ah ouais, tout est éteint là. Oh putain, ça pue. Vers le nord, il y a une cabane, il m'a dit. Ok. IUM de l'atmosphère. No, wait, you idiot, the LDF. You're gonna give away my position. Putain, le con, on a envoyé une fusée. Oh, le con. Il a donné la position à tout le monde.
Heureusement qu'on a encore des communications radio. Normalement, j'ai plus le petit point rouge, ouais. Bon, j'ai pas eu le temps de récupérer les infos sur l'ordinateur. Pourquoi il a acheté ça en... Putain. En tout cas là, c'est vraiment sympa l'ambiance et tout ça, c'est vraiment sympa. Ce petit truc de radio là, où tu dois envoyer les informations aux ennemis, les tromper et tout ça, c'était pas mal. En tout cas, Jack, il s'est déplacé vite hein, par là, je trouve. Gravex. Dans un sens, il est intelligent, hein, parce qu'il est fouineur. Mais là, c'est un peu con. Puis en plus, bien sûr, elle a foutu le feu à la baraque. La fusée, elle est retombée sur la maison. Magnifique. Bien vu, Jack. Et c'est bien. Oh, oh. So we're torching the place now. Oh, that's a great idea, Jack. Ah oui, magnifique, Jack. On t'aime, super. Let's kick back, roast some fucking marshmallows. It ain't my fault. Maybe we can help it spread, huh? Burn the whole goddamn world, yeah? Hey, it ain't my fault. Bah si, c'est ta faute. Mais oui, il me fallait pas acheter la fusée. Not your fault. How's this anything but your fault? Oh, if the price of stupid goes up $5 a barrel, I'm drilling a hole in your head first, pal. Hey, asshole. Don't go shooting off fancy fighting words if you ain't got the brass neck to back them up. Oula. Oh, bordel. Mother of God. Et le truc sur lévitation. Ah ! C'est quoi ? Putain, tout ce qui est en métal ? Non ? Oh, le monstre, mon gars, putain ! Un gros poisson volant. Ah, énorme. Oh, c'est quoi ça ? Jack, t'as fait une connerie, je crois. Fait une grosse connerie, Jack.